Salut à tous, c'est Magicraft. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une intro avec Sony Vegas Pro 10. Enfin, 9 et 11, ça marche aussi. Donc, d'abord, vous cliquez là ou là. Vous faites insérer une piste vidéo. On insérez en plusieurs, hein. J'en mets 3. Alors, vous prenez une photo que vous téléchargerez sur Google. Moi, là, j'ai pris une photo de la galaxie. Comme ça, vous glissez dessus. Tout jamais mettre les grandes photos dessus. En dessous, voilà. Combien de temps je vais mettre? Voilà, environ une trentaine de secondes. Après, vous faites... Ah, merde, pardon. Vous faites clic droit, insérer une... un texte, un média texte où vous mettrez votre votre nom de chaîne. Hop, moi c'est tac tac Magicraft, la police que vous voulez. Moi, une que j'aime bien, Royal Latin. Voilà, emplacement, vous mettez où vous voulez mon truc. Mise à l'échelle en propriété, comme ça. Emplacement, c'est l'espace entre les lettres. Couleur, là où c'est rouge, ne touchez pas à ça sinon on verra pas votre image de fond. Voilà, effet, là vous pouvez mettre un contour, le laisser en jaune comme ça. Halo, l'intensité du contour, enfin laisser le halo au maximum. Ah, c'est là, non c'est là, le halo du contour. Hop, là il est tout petit. Ah, là il est plus gros. Ouais, c'est plus gros. Largeur. Là, oui, ça fait assez large. J'aime pas trop trop. Ouais, je vais essayer ça comme ça. On ferme. Faut étendre ça de là jusqu'au bout. Comme ça. Hop. Alors faites gaffe, à chaque fois que vous étendez une image ou une musique ou je sais pas quoi, vous faites faire correspondre les longueurs d'événements. Sinon ça va répéter avec la piste de base. Donc, voilà, là vous avez déjà ça. Insérer une piste audio, c'est pas con, qui se peut mettre en, qui est en bas. Là, pour animer votre moi Magicraft, vous pouvez prendre ça. Là vous voyez c'est le cadre de base. Quand vous étendez, ça rapetissit. Quand vous faites comme ça, ça grossit. Si vous pouvez faire comme dans mon ancienne intro, vous prenez votre curseur, vous glissez jusqu'au bout. Au début vous le mettez tout petit jusqu'au bout, dans à peu près jusque là, voilà, et vous mettez comme à l'origine, comme ça, comme ça. Là, hop, bon, pas beaucoup vu que c'est long. Voilà, ça aussi. Alors, je vous conseille de mettre pas tout le temps, genre vous commencez au début en tout petit comme ça, et environ 3/4 à peu près mettant normal. Voilà, ça rendra mieux. Donc après, que ce soit pour mettre, vous pouvez ajouter un autre média texte où vous mettrez votre lien de chaîne. Donc vous allez sur Google, YouTube, voilà, faites la petite flèche ma chaîne, vous prenez le lien qui est là, CTRL C, ça vous pouvez fermer. CTRL V. Voilà. Taille, vous mettez environ à 20.
emplacement où mettez là, propriété la couleur que vous voulez, bah en encore pour mettre en violet ça va, emplacement vous laissez comme ça, mise à l'échelle vous rapetissez un peu peut-être, on va augmenter ça, mettre à 25. Voilà, c'est là. Emplacement, j'écale un peu vers là-bas. Voilà, parfait. Effet, bon, vous pouvez laisser comme ça, pas trop de navigation. Vous étendez bien jusqu'à, enfin, d'où vous voulez que ça apparaisse. Donc, hop. Voilà, synchronisation. Au début, regardez, ça commence d'un coup. Vous pouvez faire une là, prenez ici. Il y a comme un angle, faites une fondue pour que ça apparaisse petit à petit, comme ça. Encore les lettres rapides. Comme ça. Comme ça, voilà. Quand on commence, ça apparaît petit à petit. Et pareil pour ça, là. Et à la fin. À la fin. À la fin, on verra. Là, hop. Là, le truc qui apparaît. Voilà, c'est le début d'une petite intro pour votre première intro. Si vous débutez, c'est déjà pas mal. Après, vous avez les effets vidéo. Bon, je vais montrer le plus connu, le Halo Sony. Vous prenez le deuxième. Vous glissez sur votre gros pseudo, on va dire. Une autre chaîne. Vous faites animer. Je vais faire un peu grossir le Magic Craft. En fait voilà le Halo Sony, là vous voyez il est censé passer dessus, voilà c'est un rayon de lumière qui passe, on va sur faites toute l'affiche en partant de la gauche, vous glissez jusqu'au bout là, à droite, voilà. Après le reste moi je m'attarde pas trop dessus, vous pouvez fermer, donc ça donne ça. Bon, au début on voit pas trop. Donc ce que je veux faire c'est rapetissir un peu tout. Ça prend moins de temps. Et synchroniser. Voilà. Hop. Là on voit le Halo Sony qui passe sur votre nom de chaîne. Voilà. Et en dessous, le HTTP. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va vous insérer une musique. Hein. Bon, j'ai pas de. J'ai pas grand chose. Voilà. Celle-là, par exemple. Voilà. On va commencer. Enfin, vous pouvez choisir à votre bout de passage, vous mettez ça comme ça, toujours faire continuer un peu la musique avec la fondue. Voilà. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi sur votre non, votre adresse YouTube, vous pouvez mettre comme une pas une transition, qu'est-ce qu'on pourrait mettre l'onde Sony, voilà. Prenez une onde, vous glissez dessus, bien sûr vous faites animer, voilà, c'est pas tout minimum, c'est normal. Là au milieu vous pouvez dire que ça aura fait quelques changements, vous mettez au pif hein, toujours marrant, et vous glissez jusqu'à la fin, vous mettez tout
normal. Voilà, et ça donne ça. Voilà, c'est pas mal, je vais commencer un peu avant. Hop, on synchronise, et voilà. C'est une bonne petite intro déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Moi, si vous voulez avoir genre que votre pseudo, ça soit là, ça soit, vous mettez les initiales de votre pseudo, vous rajoutez une piste descendez jusqu'en bas, une piste vidéo qui se mettra là, un médiatexte s'ajouter. Comme pour moi, vous mettez par exemple, voilà, le MG Magicraft. Emplacement, vous mettez là-haut. Propriété en bleu clair, hein, on s'en fout. Effet contour rouge. Augmentant un peu. Enfin voilà, c'est toujours sympa. Et voilà. Comme ça, vous prenez le paramètre. Attendez, hop, 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 on synchronise, là c'est gros, comme ça, vous étendez, vous voyez, rapt ici, mettez de la taille que vous voulez, vous décalez ça, qu'il soit en haut à droite, voilà, pour faire un effet icône, vous descendez la barre là qui sont un peu plus transparents, donc voilà, là ça vous fait mettez la fondue au début, voilà. J'ai un petit problème avec ça. Ah oui. Voilà. Ce sera la bonne taille là. Une bonne petite intro. Je pense pas qu'est-ce que je pourrais rajouter pour moi pour mon intro sur le Magicraft. J'ai mis un tourbillon, il me semble que j'ai mis celui là je vais essayer sur en animant, hein. Au début comme ça normal, et à la fin, non, au milieu, vous le faites un peu chahuter. Voilà. Bon, c'est censé marcher. Et à la fin, pour revenir en normal. On va essayer. Et voilà, une bonne petite intro sympa, on pouvait faire mieux, mais une petite intro. Si vous voulez faire comme moi avec le flash à la fin pour
pour qui fait partir, c'est éclair Sony. Prenez bon, le éclair violent. Si vous voulez le mettre sur votre voilà, sur votre adresse, vous mettez. Il n'y a pas besoin d'animer. Enfin, moi, j'ai pas animé. Vous prenez. Il y a, vous pouvez l'étendre comme vous voulez. On fait comme ça. Après, vous, voilà, c'est fini. Votre fichier rendre en tant que en point AVI. Si c'est comme ça, enfin, laissez comme ça. Bon, vous mettez intro, voilà. Bon, je marque intro vidéo. Vous mettez là où vous voulez, dans le dossier que vous voulez, en choisissant. Vous faites rendu de boucle uniquement, c'est bon. Vous faites enregistrer. Il devra s'appeler que la création du fichier manager, le nom du fichier n'est pas valide. Ah oui. Ah non, ok. D'abord, il faut que vous fassiez enregistrer sous, en choisissant le fichier. Vous faites enregistrer, fichier, en entrant que. Et vous mettez intro test, je vais mettre ça. Enregistrer. Là, vous avez le rendu de l'intro. Bon, ça prend un peu de temps suivant la taille de votre vidéo. Et voilà. Voilà, le rendu de la vidéo est terminé. Vous pouvez vous re-sauvegarder sur le truc enregistré si vous voulez. Vous fermez, vous faites fermer. Vous allez dans vos vidéos, dans le fichier de là où l'avez enregistré, et vous pouvez ouvrir votre vidéo. Et voilà, vous avez votre petite intro à mettre avant, au chaque début de votre de vos vidéos pour YouTube. On va je vous dis à la prochaine et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, à plus.